compagnie de Godic le Boiteux, Silas découvre un monde bien différent de celui du cirque et des petits villages qu'il traversait. Au hasard de ses aventures, il fait la connaissance d'une aiguiseuse de couteau qui enlève sous ses yeux la jolie génie. Les jeunes garçons n'ont rien pu faire pour éviter cet enlèvement. Quelque temps plus tard, ils finissent par arriver dans une ville et ils logent chez une vieille dame à l'aspect inoffensif, mais qui semble mêlée à des affaires de contrebande. Silas veut en avoir le cœur net et, se laissant emporter par sa curiosité, il s'aventure tout seul dans les ruelles sombres du port. Il va d'ailleurs essayer d'en profiter pour vendre les cuillères en bois que Godic a façonnées. Depuis quelque temps, la dextérité de Godic et le talent de vendeur de Silas sont devenus leur principale source de revenus. Silas en vient à dépenser des pièces d'argent dont il n'avait jamais soupçonné la valeur. Vous en voulez? Mais les moi, Ron. Hein? Merci. Cet agent-là, il vient de l'autre côté de la mer? Ah oui, sûrement il en vient. Merci. J'ai une commission à vous faire. Hein? J'ai dit, j'ai une commission à vous faire. Hein? Il y a quelqu'un qui veut vous parler. Cadeau de ça. C'est un homme qui veut absolument vous parler. Il est dans le bistrot, celui qui est au fond du port. Attention, raconte pas de mensonges. Je ne mens jamais. Ah, ça doit être un grand garçon. Ah bon, vous avez un fils? Non, mais qu'est-ce que tu crois? Oh, pas la peine de traîner ici. Allez, allez, allez. C'est de l'argent à ton avis?
Évidemment que c'est de l'argent. Alors elle a beaucoup de valeur? Tout ce que gagne le cirque en un an ne suffit pas à acheter ça. T'as vu, il y en a encore beaucoup plus. Vaut mieux le remettre en place, non? Fils? Il n'entend pas. Madame, vous avez déjà vu votre fils au bistrot? Mmh. C'est drôle. Viens, on va prendre l'air. Fais attention. Ce sont que deux gamins. Vous les attaquez pendant qu'ils dorment et vous leur tordez le cou. Ils ne pourront pas crier. De les guider. Après, il faudra les emporter. Ils nous en servent beaucoup trop. C'est dangereux. Si on les élimine tous les deux, personne ne remarquera leur absence. On risque rien. Non. Dès cette nuit. Et pour les chevaux? Je m'en occupe. Thank you.
habite sur le fleuve. Ça doit être lui le chef. Oh, moi, je suis empressé de le connaître. Tellement longtemps, on l'a pendu. Il avait volé quelque chose. Au bout de quelques secondes, la corde s'est cassée. Et comme il a rien eu, il est convaincu qu'il peut pas mourir. C'est pas vrai, Silas. Si, je t'assure que c'est vrai. Moi, j'ai failli me faire tuer 3 fois déjà. Une fois par Bartholin, une fois par Emmanuel et une fois par Philippe. Remarque, il compte pas, lui. Et puis même une fois par Maria. Cela dit, elle était en colère, alors ça compte pas non plus. Et ce soir, ça fait 3. C'est énorme, non? Et je crois que moi aussi, je peux plus mourir. C'est comme si la corde de la potence avait cassé. Je vois pas ce que je peux risquer de plus grave. Y a quelqu'un qui habite ici? Tu as vu, c'est la petite fille de l'autre jour. Hé, tu peux ouvrir? On va rien te faire. Non, j'ai pas le droit. Et pourquoi? Tu nous connais? Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Jenny et la dame, c'est ma grand-mère. Mais t'es toute seule? Oui, mais elle m'a dit de parler à personne. Sois sympa, ouvre-nous. Je suis enfermée toute la journée ici. Si tu veux, tu peux te sauver avec nous. Oui, nous aussi, on est en fuite. Mais on a appris à se débrouiller seul. Tu nous laisses nous réchauffer 2 minutes?
pas, ces oiseaux-là. Tu pourrais répondre quand je te parle. Mais je ne les connais pas non plus. On est venu parce qu'il faut que Godic se repose. Et parce qu'on a faim. Qu'est-ce qui vient de dire ça? On aimerait bien pouvoir dormir ici cette nuit. Tu crois que je tiens une auberge pour rôdeurs ou pour les bandits de grand chemin? On vous jure qu'on n'est pas des bandits. Ah oui. Et comment vous les avez eus, vos chevaux? On vous en a fait un cadeau pour vos beaux yeux? Ouais, d'accord. Vous êtes des petits copains de génie, je suppose. Tu viens? On peut payer? Et vous me donnerez combien pour dormir ici? Une barre d'argent, madame. J'ai mal compris. J'ai dit une barre d'argent. Un lingot? La barre, elle est à la ville. Mens pas. Je ne mens jamais. Jenny, fais un peu de place, on a des invités ce soir. Et voilà, vous allez dormir ici. Où elles sont, ces barres? Où elles sont? Dans la rue des pêcheurs, chez la sourde. La sourde? La vieille chipie. Où exactement? Ça, faudra lui demander. Et puis, elle sait où il y en a d'autres. Pourquoi vous les avez pas prises pour vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Je la connais bien, cette vieille folle. Elle est bête à hurler. Et elle paye toujours que la moitié quand elle me fait affûter son couteau à pain. C'est elle, sûrement. Cette pauvre folle a fait son temps. Qu'est-ce que vous pouvez être sale? Ah, je sais. Vous avez toujours été méchante comme ça? Oui, bien sûr. Pourquoi? Pour vous aussi, la corde de la potence a cassé? Non, mais dis donc, t'en as tout paix. Tu viens bien de trahir la vieille sourde? Alors toi aussi, t'es méchant comme moi. La sourde voulait nous tuer, Godic et moi. Et en plus, je me dis que si vous avez les barres d'argent, vous laisserez la petite Jenny rentrer chez elle. Jenny ne bougera pas d'ici. C'est clair, j'espère. C'est rien. C'est mon poney. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à trouver le temps un peu trop long dehors. Allons, allons, toutou. Où est partie la sorcière? Elle a dû rêver des lingots. Un coup de chance, elles sont aussi méchantes l'une que l'autre. Peut-être qu'elles vont s'étrangler ensemble et qu'on pourra enfin être tranquille. J'ai pas de couteau à aiguiser, merci, au revoir et bon voyage. Qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler une seconde. Non! Non! Viens avec nous, Jenny. J'ai pas le droit de partir. Tu vas pas rester avec cette sorcière, c'est quand même pas la joie dans cette cabane. Ah non. Alors viens avec nous. On sera veillé sur toi. Viens, tu seras mieux.
Oh. Où tu as mis les lingots d'argent? J'en ai pas. Les malades, les sorcières. Von wem bekommst du das Silber? Von wem? Ich sag nichts. Na gut. Wie du willst. Le meunier, le meunier.